mettre fin à la vulnérabilité financière de la femme en accordant les mêmes chances entre l'homme et la femme lors de l'accès à l'emploi pour réduire les violences dans les ménages. Telle est la recommandation principale prise le jeudi 10 décembre au cours de la conférence lors de la clôture de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Au cours de cette conférence, l'oratrice du jour, Madame Jolie Kamuntu de l'ASBL Caribou Jeunesse Nouvelle, a exposé sur les 9 innovations du Code de la famille, les coutumes rétrogrades, mais aussi comment la gérance financière peut devenir un facteur de violence basé sur le genre dans le ménage. La chose qui a commencé aujourd'hui, où ce n'est pas le seul apanage de la République démocratique du Congo, c'est une histoire qui date de longtemps et qui est visible parce que dans tous les pays du monde, on parle de violence à l'égard des femmes. Le pays a son contexte spécifique par rapport à ces violences. Et on sait aussi que la femme congolaise a longtemps vécu dans ces inégalités et considérée comme une éternelle mineure qu'on devait gérer, à qui on devait tout donner. Il y a quand même des lois, même au niveau du pays. Il y a des instruments juridiques internationaux au niveau de la subvention qui protègent les femmes. Et on pense qu'en ces jours, nous commémorons la Journée internationale des droits humains. C'était une occasion pour en parler, pour revenir un peu sur les droits des femmes, mais parler plus spécifiquement sur ces violences dont sont victimes les femmes dans le ménage et la gestion de l'argent. Les participants ont émis le vœu de voir les autorités accompagner les victimes dans les instances judiciaires. Nous devons encourager les victimes à briser le silence afin de pouvoir les dénoncer. Mais nous remarquons souvent que la plupart des fois, il y en a qui veulent poser l'acte et dénoncer. Mais ils restent réticents parce que ils se disent, on a de la communauté et quelle solution.
vous l'avez. Une question toute simple. Et 80% de ces femmes m'avaient répondu, pour moi, la paix signifie être bien avec mon mari dans mon ménage. Donc, pour elles, elles sont allées au-delà du fait qu'il peut y avoir effectivement des balles. Mais on comprend ici que la question de paix à famille, la question des violences à famille, est une question qui préoccupe beaucoup les femmes. Et cela est un élément pour elles qui les déstabilise dans toutes choses. Quand on y ajoute encore une fois la question des gestions financières, c'est une question aussi qui, dans la grande majorité des cas, vulnérabilise davantage les femmes. Lorsqu'elles sont économiquement faibles, ça veut dire tout simplement aussi que certains de leurs droits ne sont pas pris en compte. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société, au niveau de l'accès à la justice, au niveau de l'accès à certains biens. Lorsque les femmes vont continuer à être économiquement faibles, cela va accentuer aussi différentes violences à leur égard. Et c'est dans ce sens-là que moi je voulais proposer quelques recommandations. La première recommandation, c'est une recommandation adressée à notre gouvernement provincial. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à avoir des fonds de garantie pour les femmes? La plupart des femmes aujourd'hui sont dans les secteurs informels, dans les secteurs économiques informels. Et aujourd'hui, c'est des secteurs même qui génèrent aussi des revenus pour cette province. Parce que ce sont des femmes qui payent aussi des taxes. Mais aussi, ce sont des femmes dans un moindre geste, elles peuvent tout perdre par les contextes qui peuvent être les contextes d'insécurité, les contextes d'infrastructure qui ne favorisent pas leur émergence. Alors, un fonds de garantie pour les femmes serait une solution pour soutenir toutes ces initiatives-là des femmes et même soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Nous avons vu à quel niveau les coopératives ici ont mis par terre de nombreuses familles. Et d'ailleurs, même ma propre famille a été aussi utile. Vous mettez votre fonds dans cette coopérative, quelque temps on vous dit, voilà, c'est fermé, c'est fini. Et tout cela, il n'y a aucun suivi, c'est dit tout simplement, on laisse passer. Et ce sont des exemples qui se répètent et qui se répètent. Une autre recommandation, elle est liée à finalement, si on peut avoir cette maison-là de la femme, aussi vivre. Lorsque nous allons à Goma et on voit ce qui se passe au niveau de la femme, non seulement que c'est un cadre qui accueille les femmes dans tous les sens, même des dénonciations, même d'entrepreneuriat, même où les femmes peuvent trouver un endroit où se rapprocher les unes des autres. Ça nous fait mal au cœur que depuis toutes ces années, aussi ce qui on n'arrive pas à avoir la maison de la femme. Je disais, ce sont des cas plus graves. Quand un enfant de 9 mois peut être violé par son frère, vous voyez la gravité d'un enfant qui a été violé à l'âge de 9 mois et une dame de 24 ans qui a été violée. La gravité ne doit pas être là, la même. Un enfant de 6 ans, c'est un enfant qui a un âge scolaire et ça peut créer des fragilités pendant les rapports sexuels. Si on voit l'ampleur de tous ces cas ici, ce sont des cas qui doivent avoir donc une nomination plus grave que ce que les amis d'Ecofas a donné. On appelle ces cas graves, c'est par rapport à tout ce que, par rapport à l'ampleur. Cette conférence qui a eu lieu dans la salle de réunion Aquarius à La Botte, en commune d'Ibanda, a été précédée par une conférence de presse qui s'est tenue à la division provinciale du genre famille et enfants. Elle a été présidée par le représentant du chef de division du genre, le chef de bureau chargé de la protection de l'enfant, M. Marcelin Chabani. Il a fait un état des lieux de violence en général et dans la province du Sud Kivu, ainsi que les plaidoyers menés par les acteurs qui travaillent dans la lutte contre les violences sexuelles. Marcelin Chabani. La date du 10 décembre marque la fin de la campagne de 6 jours d'activisme
quelle campagne est lancée généralement le 25 novembre de chaque année et se clôture avec la date anniversaire de la Déclaration universelle aux droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année, comme vous le savez bien. C'est là une façon pure et simple de démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que toutes les formes de violence que subissent les hommes, les femmes, les garçons et les jeunes filles constituent une violation grave des droits humains. C'est à ce prix qu'on essaie de concilier un peu la date du 25 novembre, qui marque en effet la journée de lutte contre toute forme de violence sexiste faite aux êtres humains, et la date de la Déclaration universelle aux droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année. Et comme on le sait bien, c'est chaque année qu'il y a un thème qui est défini par la communauté internationale, parce que là aussi, il faut rappeler que c'est une journée de portée internationale adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour essayer un peu de réprimer toutes les formes de violence qui sont perpétrées sur les êtres humains, en particulier les femmes et les jeunes les filles. Et donc, un thème pour cette année, c'est plus axé sur Orange le monde, financer, prévenir, répondre, collecter. Pour signaler que la couleur orange brillante et qui optimise représente un avenir sans violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Parce que comme vous le savez très bien, au moins, ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont beaucoup plus victimes de tous ces actes de barbarie qui sont perpétrés à l'endroit des femmes et des jeunes filles en termes de violences basées sur les genres. Et quelles sont les avancées que vous avez bien enregistrées? Bien, les avancées, c'est vrai que c'est les avancées des processus qu'on doit observer parce que vous savez très bien que les facteurs qui rentrent en ligne de compte pour justifier cet état de cause sont plus nombreux qu'on ne sait pas les énumérer maintenant, mais on doit retenir que la présence culturelle a été aussi plus grande et plus grande, a occupé plus d'espace au point que, au jour d'aujourd'hui, on essaie un peu de voir dans la mesure du possible comment contribuer à l'amélioration du statut de la femme pour établir un monde qui soit beaucoup plus égalitaire entre l'homme et la femme, pas égalité en termes de force et de poids, mais égalité en termes de chances à offrir aux hommes, aux femmes, aux filles, aux garçons, en termes d'accès aux services sociaux de base, aux services professionnels, aux études et tant d'autres services qui sont reconnus aux hommes, aux garçons et aux jeunes filles. Là, il fallait beaucoup plus comprendre qu'il fallait que les législateurs congolais comprennent qu'il y a nécessité de mettre en place des dispositions pouvant aider les populations à comprendre qu'il y a toutes les dispositions légales qui répriment les violences sexuelles, c'est basé sur les genres. C'est notamment, vous trouvez que nous avons maintenant aujourd'hui la loi de 2006 qui réprime les violences sexuelles avec toutes les dispositions, avec toutes les sanctions conformément au degré de mesures à prendre à l'égard de tel ou tel autre bourreau. Nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur les genres qui venait d'être promulguée et qui a fait aussi l'objet d'une certaine révisitation pour essayer de réprimer tous ces dispositifs qui étaient aussi discriminatoires. Il y a le code de la famille révisé, le code de la famille révisé qui a essayé également de revoir toutes ces dispositions. Il y a des articles qui ont été élagués, lesquels articles qui essayaient de mettre la femme dans une position d'infériorité généralisée. Et donc au jour d'aujourd'hui, pour ne citer que là, on peut admettre qu'il y a des avancées en termes de lutte contre les violences basées sur les gens et voir comment le respect de la Constitution et autres textes légaux, tant du niveau national qu'international, où notre pays a ratifié et veut être d'application. Là également, on note que certainement il y a des défis majeurs à relever dans l'observance de la mise en œuvre de tous ces textes légaux. Et c'est notamment lié à la faible vulgarisation des textes légaux. La vulgarisation vraiment n'est pas jusque-là effective. Et c'est là que nous sollicitons encore le concours des acteurs de la société civile, des agences du système des Nations Unies,
des organisations internationales, des partenaires étatiques que nous sommes, pour qu'ensemble, en synergie, nous arrivions à mettre l'information nécessaire et utile et à temps opportun à qui des droits, pour que l'on sache ce qu'il y a à faire, ce qui est en train d'être entrepris pour réprimer et bannir toutes ces violences qui sont répertoriées au niveau de nos communautés, aussi de Kivu, en particulier au niveau de la République démocratique du Congo. Cette campagne de 16 jours d'activisme a été clôturée par le directeur des cabinets du ministre du Genre, M. Célestin Bamwisho. Madame la chef de division provinciale du Genre, famille, enfants, ici représentée par le chef de bureau, messieurs les représentants du Fonds social de la République, messieurs les représentants de guerre internationale, madame la représentante de l'Union européenne, chers partenaires qui travaillent dans la problématique genre, distingués invités à votre et qualité respective. C'est pour nous un honneur, un plaisir de nous acquitter d'un débat civique, à savoir procéder ces jours à la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences au Sud-Kivu. Les 16 jours dont il a été question ont porté sur des actions de grande envergure visant l'éradication des actes de barbarie et des violences faites aux femmes et aux jeunes filles de notre province, chère Sud-Kivu. Au nom de ses excellences, monsieur le gouverneur, qui assure la ferme conviction d'accompagner toute action de lutte contre les violences sexistes, nous voulons présenter nos vifs et sincères sentiments de remerciement à l'endroit de nos partenaires financiers et techniques, des ONG, des agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile ainsi que tous les autres intervenants dans la lutte contre les violences basées sur les genres. La lutte dont il est question nécessite une cohésion et une synergie entre tous les acteurs en vue d'une harmonisation des actions en faveur des hommes, des femmes et des filles au sud. C'est pourquoi nous restons convaincus que les activités menées tout au long de la campagne de 16 jours d'activisme produiront des résultats palpables qui vont aider les survivantes à bénéficier d'une prise en charge. Ainsi, les soucis pour les autorités du pays, l'idéal serait de déployer les violences sous toutes les formes au lieu de penser à soigner pour répondre aux cas rapportés de violences basées sur les gens. Il ne sert à rien de rappeler ici les causes à la base des violences. Elles sont nombreuses et viennent d'être citées par notre intervenante Jolie Camonte et tirent les origines du débuté. Qui ont placé la femme, commençant par la petite fille, dans une position d'infériorité totale. Bref, la femme n'avait pas droit au chapitre. Au-delà de la dimension des soins à apporter aux survivantes, la réflexion à mettre en place vers la communication pour les changements des comportements de tous et de toutes et promouvoir ainsi la masculinité positive visant à amener l'homme et la femme à se considérer comme étant égaux au sein de toutes les institutions et instances de prise de décision. Ce qui permettra aux femmes et aux hommes de jouir leurs droits de façon égalitaire et sans discrimination. Madame et Messieurs les ministres, d'où la recherche d'une paix durable en faveur de toute la population de cette Kivu, sera un atout indispensable pour contourner tous les actes de la à l'endroit des femmes, des hommes, des filles et des garçons du Sud-Kivu. Enfin, je ne peux clore ces propos au nom de son excellence conseil du ministre provincial du genre, sans rappeler aux uns et aux autres que le gouvernement provincial attend beaucoup de vous dans le partage de l'accord afin d'établir l'ampleur de violence basée sur les genres en provenance du Sud-Kivu.
c'est à ce titre que je déclare clos au nom de l'autorité provinciale les 16 jours d'activisme contre les violences sexistes dans la province de Sud-Kivu. L'activité a été financée par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Après cette conférence, Mme Joséphine Kusinza a expliqué les sortes de violences toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme. On a trouvé les critères par rapport à l'âge des victimes, par rapport à l'âge des auteurs de la violence, par rapport au nombre des violeurs, au nombre des auteurs de la violence sur des individus isolés, des femmes ou des jeunes filles. On a trouvé aussi les statuts de l'auteur. Les statuts, par exemple, vous allez trouver quelqu'un qui travaille dans la défense des droits humains et qui va violer une jeune fille, même mineure. Vous allez trouver quelqu'un qui doit protéger la vie des personnes, leurs droits, un policier, et qui viole. Vous allez trouver un militaire et qui viole. Vous allez trouver un père qui viole sa fille. Vous allez trouver un jeune ou même un enfant qui viole sa soeur, bébé, et des cas qui dépassent l'entendement. Et voilà les critères pour lesquels nous avons qualifié ces cas très graves. Pendant que tout cas de viol, c'était un cas déjà grave, mais il y a des cas très graves pour lesquels on ne peut pas se taire et on doit faire beaucoup, remonter la dénonciation à travers les médias. Nous avons pour la conférence de presse ici, à partir de la période de mars 2020 jusqu'à maintenant, le mois au cours duquel nous sommes, nous avons répertorié 14 cas graves qui suivent 14 autres dans la conférence de presse qui avait précédé, que nous avons inventorié. Alors pour les cas ici, nous avons inventorié ces 14 cas principalement dans les territoires de Mwenga, notamment dans la ville de Kamituga. C'est des cas qui nous ont été reportés par le point focus sur place. Nous avons aussi en deuxième niveau trouvé des cas très graves à Luvungi, qui nous ont été rapportés aussi par nos animateurs sur terrain, les points focaux, les organisations locales qui travaillent avec nous. Et nous avons trouvé des cas à Bukavu aussi. Et donc, Bukavu, Mwenga, Luvungi principalement.